Coucou tout le monde. Alors cette petite vidéo fait suite à la vidéo de résolution d'équations en troisième. Donc c'est juste pour faire la vérification de l'exercice que je viens de faire. Donc on vient de résoudre cette équation et on a trouvé que la solution était x égale 8. Donc ça signifie si cette solution résout cette équation, ça signifie que 8... Quand on le remplace dans l'équation, on a l'opération de gauche qui est égale à l'opération de droite. Alors, voyons voir. Donc, on avait 1 quart de x plus 2. Donc là, on remplace donc x par 8. Donc, 1 quart fois 8 plus 2. Donc, il faut le calculer. Donc, d'abord, priorité à la multiplication hein, par rapport à l'addition. Donc, 1 quart fois 8. Donc ici, 8, c'est comme si c'était 8 sur 1. Donc, multiplication de fractions, on ne se prend pas la tête, on multiplie en haut, on multiplie en bas. 1 fois 8, 8. 4 fois 1, 4. Plus 2. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est directement 8 divisé par 4, ça fait 2. Et donc, on avait plus 2. 2 plus 2 égale 4. Voilà ce que ça donne pour l'opération de gauche. L'opération de droite dans notre équation était 1 demi de x. Donc on remplace x par la valeur 8. Donc ça nous fait 1 demi fois 8. Donc ici ça nous fera donc 8 divisé par 2. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc on a bien l'opération qui était à gauche ici, qui sera égale à l'opération de droite ici, quand on remplace x par la valeur 8. Voilà la vérification de cette équation. À bientôt !